Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est LAS45, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale avec le braquage du casino, on a débloqué, vous avez pu constater, des nouveaux véhicules, y compris celui-là, la camionnette du Bugstar. Alors, je pense que tout le monde l'a remarqué, elle vaut 400 000 et des bananes, ça fait beaucoup pour une camionnette. Du coup, moi personnellement, avec Ballon, salut Ballon. Salut. On a réussi à trouver une petite astuce pour vous faire avoir le véhicule, soit pour rien du tout si vous avez des amis qui l'ont, soit pour 25 000 $ si vous n'avez pas fait encore le braquage. Donc pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de venir lancer le braquage dans votre arcade. Alors moi je m'en suis trouvé bloqué, voilà, d'aller lancer le braquage. Donc en fait il va falloir que vous lanciez la méthode futée, comme vous pouvez le constater juste en bas de mon écran, la sélection de l'approche. Rusé. Et ensuite d'aller sur le second tableau, lancer dans les missions préliminaires sur votre droite, juste ici où vous voyez le cercle rouge, de lancer la mission équipement Bugstar. Donc on lance la mission. Après, donc on va faire les choses correctement, c'est-à-dire qu'on va aller faire la mission. L'objectif, ça va être d'aller voler le véhicule. Et après avoir volé le véhicule, on va devoir se rendre à un point spécifique pour pouvoir récupérer un second véhicule totalement identique, mais pouvoir le rentrer dans le garage. Donc je vous dis à tout de suite, le temps qu'on se rende directement au niveau des véhicules. À tout de suite. Alors, une fois qu'on est arrivé au point, il suffit de descendre, de désinguer tout ce qui se montre sur votre chemin, c'est pas compliqué. Hop là, toi tu viens là, bim, t'es mort. Voilà. Oh putain, j'ai pas vu. Voilà, donc ensuite, vous avez juste à donc... Oh putain, reste un. Oh, 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 oh. À monter dans la camionnette Bugstar, tout simplement. On attend les copains qui se foutent de notre gueule parce qu'on a failli mourir. Non mais regarde. Vas-y, viens. Il est mort en étoile de mer, le mec. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de vous rendre. Alors attends, bim. On se demande qui s'est garé là, hein. Oh là là. Donc, une fois que vous êtes dans la camionnette, il vous suffit donc de vous rendre juste ici, avec la fameuse camionnette. Et vous allez voir que dans le hangar, les mêmes véhicules vont spawner, exactement les mêmes. Bon, bah, je refais une petite coupure le temps qu'on se rende au niveau du hangar et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on est arrivé à destination, vous voyez, à l'entrepôt Bugstar, juste ici. Bon, c'était un tout petit peu plus haut du point que j'avais mis, mais en gros, c'est sur,
sur le, dans la zone industrielle. Et vous, quand vous rentrez dans le gare, vous allez voir que vous avez le choix des véhicules. Donc il vous suffit juste de monter dans n'importe lequel. Moi, je vous conseille, juste avant de monter dedans, de foutre le véhicule actuel à la flotte. Vas-y, ballon, on va le mettre à la flotte. Comme ça, vous serez sûr que la mission va se terminer avant de pouvoir... rentrer le véhicule. Donc comme ça, vous êtes sûr que le véhicule puisse entrer dans votre garage. Donc maintenant, vous avez juste à aller au niveau du garage ou du Los Santos. C'est à vous de voir. Le véhicule, il rentre à l'intérieur. Vous voyez, le véhicule rentre à l'intérieur. Le seul petit inconvénient de cette technique, mais qui est également un avantage, hein, faut préciser, c'est qu'à partir du moment où vous volez ce véhicule, vous le mettez dans votre garage, il n'y a pas de souci. Si vous voulez l'assurer, ça va vous coûter 58 000 $. Je suis d'accord que pour une assurance, pour une camionnette, c'est un petit peu exagéré, mais c'est toujours mieux que de payer 58 000 $ plutôt que de payer en soi 400 000 et des bananes le prix actuel. Donc voilà, donc en fait, vous pouvez avoir le véhicule pour 58 000 $, on va dire, au lieu de 450 000 $. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer vite fait comment on peut le rentrer, enfin, qu'on peut vraiment le rentrer dans le fameux garage. Donc là, bon, là, le plus près, c'est l'arène pour moi. Donc après, vous, c'est à vous de voir dans quel garage vous souhaitez le mettre. Mais pour moi, ça marche dans tous les garages, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Donc bah, je vous dis à tout de suite, tant que je finisse de me rendre au niveau de mon arène. Et puis voilà. Voilà, donc je suis arrivé, je rentre le véhicule à l'intérieur. Hop, comme vous pouvez le constater, il me demande dans quel garage je veux le mettre. Donc moi, je vais aller dans le premier sous-sol, parce que j'ai déjà pas mal de véhicules dans les autres. Voilà, vous voyez que ça rentre. Et puis l'avantage en même temps, c'est que je peux vous montrer qu'on peut réellement mettre une balise avec l'arène. C'est un très gros avantage. Donc, petit chargement. Voilà, une fois que je suis descendu, vous voyez, le véhicule est donc dans mon garage. Là, je vais vous montrer qu'on peut réellement mettre une balise et donc une assurance qui va avec, voilà, modifier le véhicule, il avance, et vous voyez qu'on peut tout modifier, tout un tas de trucs, jusqu'au frein, moteur, plaque éventuellement. D'ailleurs, on va mettre la petite plaque à l'ananas. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de sous, parce que du coup, je sais pas pourquoi j'ai tout dépensé pour acheter tout un tas de véhicules. Et donc, vous voyez, vous pouvez mettre donc prévention pare-vol, voilà, une assurance à 56 250 $. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait, et à vous abonner à ma chaîne. Salut, merci Ballon, à plus.